Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne YouTube de Wissi Family. Aujourd'hui, nous allons faire la confiture des fraises. Pour cela, nous avons besoin des fraises. Nous avons déjà nos fraises ici, déjà préparées, c'est-à-dire on a déjà lavé les fraises, on les a coupées et puis on les a mis dans un bol et nous y ajoutons le sucre. Donc on y ajoute le sucre par rapport à la quantité de vos fraises aussi. Donc j'y ai ajouté le sucre. Je vais tourner le tout après avoir ajouté le sucre. Je tourne le tout et je vais laisser reposer. So I'm gonna go ahead say this the same in English. Today we are making a strawberry jelly. So what do we need? We need a strawberry. We have our strawberry here already washed, cut, and then we put them in a bowl. We add some sugar, and we're gonna have to wait some hours, and we will come back again to show you the next step. I hope you like it. Thanks. 24 hours later. C'est nos fraises ici. Les jours suivants, nous venons de les enlever du frigo et nous allons maintenant les bouillir au feu. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre de l'eau. Vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit parce que il y a déjà du jus dedans, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir, il y a du jus ici dedans. Donc vous n'avez pas besoin de l'eau. Vous avez suffisamment de l'eau ici. Donc ne mettez pas de l'eau s'il vous plaît. Don't put water because we don't need water. We already have a juice here inside. Now we're gonna boil this strawberry and we will come back to show you the result. So, nous allons mettre les strawberries au feu et nous allons revenir après pour vous montrer les résultats. Voilà, nous les avons au feu et nous allons allumer le feu. We have our strawberry boiling here, as you can see. Nous allons les laisser. Donc, nous avons nos fraises qui sont en train de bouillir ici, comme vous le voyez. Nous allons les laisser bouillir. Et pendant qu'ils sont en train de bouillir, vous pouvez tourner dedans. Donc, vous pouvez tourner pour que la casserole ne se brûle pas. Tournez dedans. Les cinnamon spices. Pas beaucoup, pas trop en tout cas. Juste un peu pour. Un peu donner aussi une bonne odeur à nos fraises. Donc, nous ajoutons juste un tout petit peu. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça dépend. Ça dépend de vous. Donc, voilà ce que nous avons pour le moment. Nous allons continuer à bouillir et puis nous allons vous montrer après comment ça va se passer. Comme vous voyez déjà, notre gelée des fraises commence à se former. Nous continuons avec la cuisson. As you can see, we just add a little bit cinnamon to add a little bit flavors, and we continue to turn until our jelly starts coming up. After, we're gonna leave it on the stove. Comme vous pouvez voir, notre gelée des fraises est déjà prêt. Nous allons laisser un peu refroidir avant de mettre dans les bocaux. We already have our jelly here. We have it done. Now we're gonna let
let it cool down a little bit before we put in the container. And we will show you again. Now we're done putting our strawberry jelly in the container, and this is how it looks like the result. I hope you like it, and go subscribe on our YouTube channel, The We See Family. Follow us on Instagram, like, comment, and share. And I hope you will try this recipe for your family. And then I just want to take a time to remind the winners that we're still waiting for your address to send you your prizes. So we're still waiting, please. Je voulais un peu plus vite en français, dit ce que je viens de dire en anglais. Je voulais juste rappeler à toutes les personnes qui ont gagné leur prix de nous envoyer leur adresse complète en indiquant aussi leur nom à travers notre page Instagram, qu'elles nous envoient des messages afin que nous puissions leur envoyer les prix qu'ils ont gagnés.